Texte oral, je pleure. Comme tous les soirs, en rentrant dans ma chambre, mes larmes ne cessent de couler. Ces larmes montrent à quel point je souffre et à quel point je suis mal. La journée, je souris, je fais comme si tout allait bien, alors qu'en fond, ma vie minable me fait craquer tous les soirs. J'en ai marre de vivre, je veux plus vivre, la vie est trop douloureuse pour moi. Depuis que j'ai 13 ans, jour pour jour, soir pour soir, allongé sur mon lit, je pleure et j'écris. Quand mes larmes coulent, je suis seul avec mon bic. Personne ne vient me consoler, personne ne vient m'écouter. Depuis tout petit, j'ai grandi seul et j'avance seul. Au fond, c'est sûr, j'aimerais bien avoir quelqu'un près de moi. Mais malheureusement, je n'ai pas cette chance. Puis aussi, en plus de tous ces problèmes, je me déteste. Je m'aime pas. Je me hais. Je me trouve moche. Je me trouve laid. Je me trouve gros. Je me trouve maigre. Quand je me regarde dans le miroir, je pleure tellement que je me dégoûte. J'aime pas la vie, et la vie m'aime pas. Y'a rien qui me pousse à rester ici. Depuis tout petit, je suis mal. Depuis tout petit, je souffre. Tout le monde le voit, mais personne ne vient m'aider. On fait comme si j'existais pas. Comme si j'étais une crasse ou un monstre. On parle de moi comme si j'étais une chose ou un objet. J'en peux plus. J'en peux plus de cette vie. Je suis fragile, je suis comme ça, mais voilà quoi. C'est ma vie, c'est mon passé, c'est mon histoire. Pendant 8 ans, je me suis harcelé. Et hors du harcèlement, quand j'étais petit, j'étais maltraité. J'étais abusé. J'étais frappé. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Grâce à l'écriture et grâce à moi-même. Car j'ai eu la force de vouloir m'en sortir. Mais malheureusement, tous les soirs, mes larmes ne cessent de couler, tellement que je suis mal. Tellement que mon passé m'a dégradé, et des fois il y a des passages de mon passé qui reviennent encore aujourd'hui et me tapent à la face avec la justice. Je me dis que j'avance et que tout va s'arranger. Aujourd'hui, ma vie va beaucoup mieux qu'avant, et c'est ça qui me fait tenir. Aussi, c'est vous aussi qui me faites tenir, vous qui m'écoutez. Merci. Sans vous, je ne serais plus là. Texte et vidéo réalisé par Nicolas Nulens. Merci de t'abonner à ma chaîne YouTube Nicolas Nulens et de laisser un j'aime à ma page Facebook Nicolas Nulens officielle.